La République du Congo qui accède à l'indépendance le 15 août 1960 totalise 60 ans le 15 août 2020. Durant toutes ces années, elle a connu des hauts et des bas au plan politique et économique. Des présidents Philibert Youlou à Denis Sassou Nguesso, en passant par Alphonse Massamba Déba, Marien Ngouabi, Jacques Joachim Yombi Opango, Pascal Lissouba, le pays a vécu le monopartisme jusqu'en 1991 et après cette année, c'est la vague du multipartisme. Selon de nombreux analystes, l'avènement de la démocratie au Congo-Brazzaville n'a pas au fond changé grand-chose. La situation sociopolitique est jusqu'à nos jours largement sous l'influence d'un seul parti, le Parti congolais du travail, et l'économie reste fondée sur des revenus venant des étrangers, ce qu'on appelle l'économie de rente. Certains acteurs rencontrés nous rappellent les moments majeurs ayant marqué l'histoire de l'ancienne colonie française. À l'aube de l'indépendance, le Congo a pu bénéficier quand même, qui était la capitale de l'Afrique équatoriale française, d'un certain nombre d'infrastructures avec une structure économique qui semblait équilibrée, avec un secteur primaire, avec une industrie et puis avec malgré tout un secteur tertiaire qui s'est développé bien. Bon, mais au fil des temps, parce qu'il faut reconnaître que nous avons très mal commencé. Nous avons commencé par des problèmes de corruption au plan politique. Et je crois que tout le monde sait ce que ça a causé comme problème par rapport à 59, avec ce que l'on a connu de sombre. Et ensuite, nous avons connu également une situation préoccupante au niveau de la gestion du premier président, l'abbé Philibert Youlou, une gestion qui était fortement reprochée, ce qui a conduit, il n'y avait pas que l'aspect économique, mais il y avait également l'aspect politique, parce que vous savez que le président Youlou était en train de vouloir transformer tous les partis en un parti unique sous sa responsabilité. Et avec un peu les réactions qu'il y avait eu des acteurs politiques, des syndicalistes, etc., ça a mené une forte répression et cette répression a abouti à ce que nous connaissons. On a appelé dans ce pays la révolution et les Congolais pensaient en ce moment-là que c'était un moment historique à ne pas oublier. Et je crois que nous avons donné à l'époque l'image de ce que nous étions déterminés à lutter contre les antivaleurs, contre la corruption. Et je me rappelle, j'étais très jeune, à la radio, on chantait « Youlou a tout volé », etc. Donc on prenait comme l'engagement d'aller vers un renouvellement. Le mouvement populaire des 13, 14 et 15 août, nous avions en face l'abbé Philibert Youlou, qui effectivement n'était pas un démocrate, mais il était, de fait qu'il soit curé, il avait une dose de retenue. Lorsqu'il y a eu le 13, 14, 15 août, lorsqu'il a appris qu'il y avait déjà 3 morts, le président Youlou a préféré démissionner pour ne pas qu'il y ait l'hécatombe. Ça, c'est positif. Mais ceux qui ont remplacé Youlou ont commis les mêmes erreurs que Youlou. L'appareil d'État est resté néocolonial. La forme d'organisation est restée la même, celle des partis politiques qui se sont ethnisés, tribalisés. Et avec le temps de 63 jusqu'à aujourd'hui, ces partis se sont clanisés, tribalisés. Donc on n'a pas fait un saut en avant par rapport à la démocratie citoyenne. Et le premier événement qui est très marquant pour moi, c'est lorsque je prends conscience en fait de mon existence à 4 ans. Et à 4 ans, nous sommes à la rue Mbaka, numéro 66. C'est une parcelle familiale, une parcelle de ma grand-mère. Et je vois justement les révolutionnaires. Parce que c'était donc à cette époque-là que les syndicalistes ont décidé de se révolter et de contester en fait le pouvoir du président abbé Philibert Youlou. Et je crois que le départ du président Youlou
était occasionnée, je crois, par une orientation économique qui était totalement libérale, parce que Youlou fait son premier voyage quelques mois après son élection à la tête donc, du pays aux États-Unis. Et il est reçu par John Fitzgerald Kennedy au pied de l'avion. Je crois que ça peut nous donner, rétrospectivement parlant, l'importance, je dirais, économique, géoéconomique et géostratégique de notre pays. Le président Youlou voulait attirer des investisseurs, Mobil, Exxon, etc. Et voulait déjà lancer le barrage de Sunda et voulait faire de Pointe-Noire déjà une ville industrielle. Ça date quand même des années 60-63. Et donc, quand le président Bassamba Diba arrive, je crois que c'est une nouvelle orientation politique qui se met en place. La découverte du premier gisement pétrolier dénommé Émeraude dans les années 1970 a été un bon point pour la République du Congo qui a vu son budget croître. À l'époque du président Marie Ngouabi, la nation a connu une certaine amélioration de sa situation socio-économique, mais hélas, cet élan de développement du pays a été freiné par l'instabilité politique, la mauvaise gestion des fonds publics et l'absence d'expertise en matière d'exploitation et de production pétrolière. Avec 130 millions de dollars de PIB, si vous posez la question à ceux qui ont autour de 80 ans aujourd'hui, 85 ans, ils ont l'impression que la vie était meilleure à cette époque-là. Alors qu'aujourd'hui, nous avons un PIB qui tourne autour de 11 milliards de dollars par an. Voilà. Mais dans cette recherche, justement, de l'amélioration des conditions de vie du pays, du développement du pays, mais à travers une pensée politique, eh bien, la génération donc, qui prend le pouvoir en 68 considère que elle ne détient pas toutes les clés du développement économique de notre pays et se lance dans un processus de nationalisation. Et à l'époque, on se rappelle, on se souvient comment est-ce que on avait décidé de nationaliser Hydro-Congo, la SNE, la SNDE, etc. Parce que, eh bien, pour cette génération-là, Marie Ngouabi, Alfred Barrou, Sassou Nguesso, Yombo Pango, Mugunga Nkobongila, Lissouba et autres, ils estimaient qu'un pays ne peut pas être indépendant s'il n'a pas quelque part la direction des affaires économiques de son pays. Sous Marie Ngouabi, il y a le premier boom pétrolier, 21 milliards de francs CFA, et à l'époque, dans une déclaration un peu enthousiaste, Marie Ngouabi avait dit qu'il n'y aurait plus de chômeurs au Congo. Mais ces 21 milliards, on a ressenti quand même, au niveau de la vie sociale, un effort qui a été fait. Vous entriez à l'hôpital général de Brazzaville, et vous ne payez rien, la pharmacie était là, la buanderie était parfaite, la restauration était parfaite, à tel point que certaines personnes du quartier, lorsque on avait un parent qui était hospitalisé, on était heureux d'aller à l'hôpital Jean de Brazzaville parce qu'on allait manger les petits pois, voilà, des mets assez raffinés. Le président Marie Ngouabi a eu l'avantage qu'en 1973, il y a eu cette affaire de pétrole avec la production d'émeraude. Et le président Ngouabi a fait un discours pour dire que le Congo allait importer de la main-d'œuvre parce que on n'avait pas, le budget avait pratiquement progressé d'un peu plus de 30%, ce qui permettait au Congo d'avoir les moyens de sa politique. Et pendant cette période, avec la vision du Parti social, du Parti marxiste-léniniste, on a eu une idée que je trouve ce qui était très intéressante, à savoir, il faut créer des entreprises d'État. Les entreprises d'État avaient pour objectif principal d'enrichir l'État pour que l'État prenne en charge un certain nombre de problèmes, le recrutement des jeunes, etc. Malheureusement, ces entreprises d'État ont été des tonneaux de Dénaïde, c'est-à-dire qu'on y mettait de l'argent et absolument les objectifs qu'on s'était fixés n'étaient pas atteints. C'est le cas, par exemple, prenez un cas comme Hydro-Congo, qui avait le monopole de la commercialisation des hydrocarbures, produit qui est demandé et acheté tous les jours, mais qui était déficitaire. Donc c'était une situation difficile à expliquer. Alors, le président Marie Ngouabi a connu des situations difficiles, d'abord au plan politique. Il y a eu, par exemple, le mouvement
du M22. C'était pratiquement des contradictions au sein de l'organe dirigeant avec ce qu'on considérait comme l'aile gauche du parti. Mais il y a eu au plan de la gestion également un certain nombre de situations, de constats qui ont été faits. Et je pense que le constat qui a été fait, qui reste d'actualité, c'est celui du 12 décembre 1975, où vraiment on a brossé une situation sombre. L'impunité, les détournements des deniers publics, la pléthore des effectifs dans les entreprises d'État, des mots qui étaient bien décelés, mais pour lesquels on n'a jamais eu la capacité de résoudre. Mais il faut dire qu'avec la manne pétrolière que le régime du président Gwabi a bénéficié à l'époque, en 1973, il y a eu ce que l'on a fait au plan économique, ce qu'on appelait le plan triennal. Si mes souvenirs sont exacts, sa valeur globale, pour que les gens aient une idée, globalement, c'était estimé à près de 75 milliards pour doter le pays, etc. Et avec quelque chose qu'on n'a pas résolu jusqu'à présent, agriculture, priorité des priorités. En souvenir de ce que le président Massamba Déba avait déjà déclaré en son temps, qu'un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit n'est pas un peuple libre. Donc nous avions déjà conscience qu'il fallait qu'on aille vers l'autosuffisance alimentaire, vers un certain nombre de choses. Et par la suite, vous avez suivi tous ces slogans. Autosuffisance alimentaire, d'ici à l'an 2000, santé pour tous, etc. Et on est arrivé par la suite au plan quinquennal 82-86. Autre fait marquant des 60 ans du Congo, la Conférence nationale souveraine de 1991 qui a permis à toutes les forces vives de la nation de faire le diagnostic global de la gestion de la cité. Ce moment révèle ses atouts et ses limites. Ça a été un moment politique important dans l'histoire de notre pays parce qu'il a consacré la fin du parti unique et l'avènement du multipartisme et de la démocratie dans notre pays. Malheureusement, nous nous sommes retrouvés, malheureusement, si vous voulez, avec des leaders et des partis qui avaient des configurations éthico-régionales. Et paradoxalement, c'est le PCT que nous condamnions tous qui avait une présence plus ou moins nationale. Au cours de la conférence nationale, j'y étais pas, elle a été beaucoup plus politique. Politique, évidemment, vous savez, les Congolais et en politique, on a souvent la désignation de la culpabilité ou du coupable idéal facile. Donc le coupable de tous les maux, c'était le Parti Congolais du Travail, c'est normal, il est au pouvoir. Le coupable, c'était donc Denis Sassou Nguesso, qui était le président du comité central de ce parti, c'est normal, il avait assumé. L'une des références importantes au plan politique, c'est la conférence nationale de 91 qui a fait vraiment un sérieux état des lieux. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup critiqué ce qui s'est passé à la conférence nationale. Et l'un des problèmes qu'on avait soulevé, c'est les scandales économiques et financiers. C'est le problème de l'endettement. Et on s'est retrouvé dans une situation où la déclaration qui était assez souvent faite, c'était que l'endettement, la dette constituait un véritable obstacle, un véritable handicap au développement du pays et qu'il fallait fondamentalement résoudre ce problème. Je crois qu'à la conférence nationale, on a encore fait appel au Fonds monétaire, mais jusqu'en 1997, ce problème n'a pas été résolu. Les résolutions prises lors de la conférence nationale n'ont pas été appliquées. C'est ce qui a conduit à ce que nous vivons aujourd'hui. Il avait été, par exemple, dit que pour occuper les fonctions dans l'administration, il fallait être sorti d'une école de l'administration comme l'ENAM. Mais aujourd'hui, vous avez des préfets, vous avez des chefs de district, vous avez des secrétaires généraux qui ne connaissent pas le droit. On ne peut pas être président de la République et en même temps chef d'un parti politique. Avec la guerre civile et militaire de 1997, les conflits armés successifs dans le département du Pôle, les crises économiques, financières et sanitaires, les Congolais ont suffisamment des leçons à tirer pour éviter la division, lutter contre la corruption et unir les énergies pour faire avancer le pays. Je pense humblement, les Congolais, nous avons besoin de nous asseoir
comme nous nous étions assis en 1991 lors de la conférence nationale souveraine pour repenser le futur de notre pays. C'est vrai, il y a ce problème de pétrole et qu'il y a eu la chute des prix du baril, mais le Congo a un réel problème de gouvernance. Et il faut régler ce problème de gouvernance. Et le Fonds monétaire a proposé 48 mesures qui devaient être appliquées. Et je crois que tous les Congolais ont suivi un apport financier de près de 448 millions de dollars, c'est-à-dire autour de 262-264 milliards de francs CFA, qui seraient versés en plusieurs tranches. Et au moment de la signature, c'est-à-dire en juillet 2019, nous avions déjà pu encaisser autour de 45 millions de dollars, autour de 25-26 milliards de francs CFA. Et c'est à chaque fois qu'il devait avoir évaluation et après évaluation, si les choses avaient marché, on devait nous verser la deuxième tranche. Il faut que nous soyons capables de respecter les engagements qu'on a pris avec le Fonds monétaire, c'est-à-dire qu'on fasse des réformes qui touchent pratiquement plusieurs domaines. La lutte contre la corruption, la transparence dans la gestion. Il faut qu'on ait le courage de dire qu'on a échoué, on a reculé. Les Congolais souffrent, aujourd'hui c'est extrêmement difficile. C'est un pays extrêmement riche qui ne se retrouve pas. Et 60 ans après l'indépendance, je ne crois pas que ce soit la vision que les pères de l'indépendance avaient quand ils se battaient pour obtenir cette indépendance. Il faut des réformes importantes au niveau de l'État. Il faut une administration qui soit une administration qui impulse le développement. Il faut une administration qui change de culture administrative. Il faut que notre pays arrête de travailler une demi-journée. Et lorsque vous avez un investisseur qui peut quitter Singapour, la Malaisie, etc., pour venir investir dans votre pays, il se rend compte que votre administration s'arrête à 14 heures. Et l'après-midi, il se dit, c'est pas possible. Ça ralentit la machine. Ça ralentit la machine. Et rajouter à ça une espèce de culture, si vous voulez, de la concussion et de la corruption, mais ce monsieur va dire, je préfère aller à Kinshasa, je préfère aller au Gabon, je préfère aller au Cameroun et même en Centrafrique, parce que là-bas, on travaille matin, après-midi. Ça, c'est une chose qu'il faut d'abord faire. Et je crois que dans un effort national, si on arrive à travailler matin, après-midi, je suis persuadé que des études économiques peuvent montrer que ça peut créer une espèce d'effervescence, notamment au niveau des services, par exemple, la restauration, les transports, etc. Parce que notre centre-ville, il est mort à partir de 14 heures, en dehors de ceux qui, après, bon, vont dans les petites boîtes de nuit. Or, si vous avez des fonctionnaires qui s'arrêtent à midi, midi 30, qui reprennent à 14h30, 15h pour finir à 17h30, eh bien, dans l'intervalle, eh bien, il faut bien qu'ils se restaurent. Donc, ça peut créer d'autres activités économiques. Continuer dans le travail de la construction des infrastructures et trouver un projet fédérateur, intégrateur de notre nation. Et moi je suggère, et il y a déjà des réflexions qui ont été menées, eh bien qu'on puisse construire le canal du Congo à l'image du canal de Suez, à l'image du canal du Panama. Nous pouvons construire ce canal qui va relier eh bien, le fleuve Congo à l'océan Atlantique dans les alentours du fleuve Kwilu qui donne sur l'océan. Et ça va permettre justement aux Congolais de pouvoir partir de Moussaka en bateau jusqu'à Brazzaville, de poursuivre par le canal et se retrouver à Pointe-Noire. Je pense que ce canal du Congo, où quelques prémices d'idées existent, peut être fait. L'expérience de la municipalisation accélérée de 2004 à 2014 sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso a été saluée par tous les Congolais. Cette politique de modernisation du pays devrait être capitalisée pourvu qu'elle soit exécutée en toute transparence et responsabilité.